se laver les mains avant de préparer, avant et après avoir mangé, après l'utilisation des installations sanitaires, sont là quelques pratiques d'hygiène à observer pour éviter justement les maladies dites maladies des mains sales. Sensibilisation faite au cours de la journée mondiale de lavage des mains, célébrée à l'Institut français Al de la Gombe. Reportage. C'est une journée importante pour la population congolaise, encore trop souvent victime de maladies qui pourraient être évitées que par un geste simple, le lavage de mains. La sensibilisation, c'est 15 octobre, journée mondiale de lavage de mains, intensifiée au Cercle français dans la commune de la Gombe. Cette journée a été ponctuée d'une double cérémonie. D'abord, le lancement des activités du consortium Watch ainsi que la célébration de la journée. L'Organisation mondiale de la santé estime que 50% de cas de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans sont dus à des infections intestinales causées par le manque d'accès à l'eau potable, une hygiène insuffisante ou un assainissement inapproprié. Pour la première fois, 5 ONG internationales présentes depuis plus de 10 ans en RDC mettent en commun leur expertise dans le secteur Watch, ASEF, ACT, CRS, Concerned World, qui ont une mission. Nous souhaitons promouvoir une approche orientée vers l'appropriation communautaire des bonnes pratiques en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, en collaborant au niveau micro, méso et macro avec les communautés, les structures de gouvernance locale, les institutions gouvernementales et les services publics et privés pour favoriser des changements sociaux durables. Se laver les mains avec du savon est une activité à la portée de tous. Elle constitue un des moyens les plus efficaces et sans doute pour prévenir la diarrhée et la pneumonie, deux maladies responsables du décès de plus de 3,5 millions d'enfants de moins de 5 ans par an dans le monde.